De la première lettre de Saint Jean. Voici comment nous pouvons savoir que nous connaissons Jésus-Christ. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a marché. Pour toi, Seigneur, la nuit comme le jour est lumière. Prions Dieu notre Père, dont la miséricorde pour son peuple est infinie. Seigneur, puisque tu as envoyé ton Fils sauver le monde et non pas le juger, donne-nous en abondance les fruits de la croix. Achève-nous ton ouvrage, Seigneur. Tu as établi tes prêtres intendants des mystères du Christ. Donne-leur un cœur fidèle, sage et bon. Achève-nous ton ouvrage, Seigneur.
À ceux que tu as appelés à la chasteté en vue du royaume, donne de suivre ton Fils. Tu as créé l'homme à ton image, homme et femme tu les créas, donne-leur cette grâce de l'unité. Achève-nous ton ouvrage, Seigneur. Toi qui reçois l'offrande de ton Fils, ne condamne pas nos défunts, mais accorde-leur ton pardon. Seigneur, pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l'Esprit. Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l'Église, en vue de constituer avec ses frères le corps de Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne sa grâce. À lui, gloire et louange pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.